d'abord retenir la victoire. Mais bon, si on analyse le match, c'est un match bizarre. Voilà. On n'a pas pu trouver notre jeu, on n'a pas pu trouver notre rythme, on n'avait pas de l'énergie, on ne courait pas. Donc, je ne sais pas, la pression, peut-être l'heure qu'on a joué, peut-être aussi que l'Angola a été peut-être tactiquement plus près que nous. Voilà, donc des questions que je pourrais peut-être répondre juste quand j'aurais visionné le match. Une chose que je peux dire, c'est que, par exemple, la chose bizarre, on ne courait pas après le rebond. Tu vois, donc quelque chose qu'on a fait, toujours passer la balle, moitié terrain, courir. Aujourd'hui, on n'a pas été capable de le faire. Voilà, donc peut-être la pression, tu vois, peut-être la fatigue. Non, le match n'a jamais été perdu parce qu'on n'a jamais été derrière à la fin. Ils ont pu égaliser, mais bon, nous étions à 8 points, 9 points, ils sont revenus. On a eu des tirs ouverts, on ne l'a pas mis, on a eu des lancers francs. Donc, je pense que c'est nous qui avons plus contrôlé le match à la fin. Voilà, donc cela, n'efface pas, en fait, hein, le travail excellent que l'Angola a fait. Mais bon, voilà, je pense que la première réaction, c'est bien sûr être content d'être sorti. Quand même, c'est quand même une demi-finale. Mais surtout de visionner le match et puis d'y apprendre. Tu sais, quand tu vas en guerre, tu vas avec tes meilleurs soldats. Donc, je sais qui sont mes meilleurs soldats et quand... Le match est difficile, donc je suis resté avec mes meilleurs soldats qui sont Gorgui, Ibou Faye, Branco, Pierria, Mamoudou Faye qui a fait un gros match aujourd'hui. Donc j'aurais aimé qu'il ait joué plus, parce qu'il jouait plus, mais bon, avec les fautes, on a essayé de gérer. Et quand tu es dans un match serré, donc à 5 minutes de la fin, j'étais obligé de le faire revenir, tu vois, donc pour terminer le match. Non seulement parce que physiquement il tient, mais aussi parce que voilà, il a prouvé jusqu'à aujourd'hui qu'il faisait quand même partie des cadres de l'équipe. Ça, il faut le demander au docteur. Je sais qu'il a une courbature. Donc, les blessures musculaires sont très sensibles. C'est difficile de faire des prédictions. Je sais qu'il s'est blessé lui-même. Donc, il n'a pas été touché ou reçu un choc. Donc, je pense que le docteur Charles sera le mieux placé, en fait, pour parler de son état.